sans qu'il y ait des rôles précis, mais bien déjà une espèce de polyvalence qui se mettait en place au travers du mouvement. Et c'est dans ce cadre que, dans la continuité des premiers stages, nous avons, il y a un peu plus de 20 ans, organisé les stages LPM qui ont été ouverts à des enfants entre 9 et 16 ans. Et l'objectif, c'était évidemment de leur enseigner le rugby à partir du mouvement général du jeu pour évoluer évidemment vers un travail de la technicité, voire d'une préparation physique qui dans les stages était intégrée. On ne fait pas de préparation physique dans les stages, le plaisir du mouvement. On fait un travail où le mouvement général reste la priorité et où la technique devient non pas secondaire, mais seconde. C'est quand le joueur comprend comment se comporter, comment jouer, et en l'amenant à avoir une lecture du jeu toujours meilleure, que l'on introduit un travail de technique individuelle ou en fonction des besoins qui se présentent. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les skills, c'est-à-dire du jeu avec des effectifs un peu plus réduits, voire du travail quelquefois allant du 2 contre 1 jusqu'au 1 contre 1, le duel. Mais la réalité, la complexité du jeu de rugby dans ces stages, nous la situons dans le mouvement des joueurs et du ballon. Alors, je m'arrêterai là en disant simplement que nous souhaiterions cette année avoir dans le prochain stage en juillet plus de filles que d'habitude. C'est pour ça qu'on a fait un peu de pub pour essayer d'intéresser les filles, parce que l'avenir du rugby, évidemment, ça va passer par la gent féminine, parce qu'elle joue bien au rugby d'abord, et ensuite parce que ça fait partie de l'évolution. Voilà, alors je laisserai à Olivier, peut-être le soin de mener le débat sur le rugby de mouvement, celui qu'on essaie de mettre en place à LPM. Et je dois dire quand même que ça fonctionne plutôt bien, parce que nous avons une équipe d'éducateurs qui ont parfaitement intégré toutes les données d'enseignement de ce jeu. Et je crois que les enfants, quand ils sortent du stage, ils reviennent avec beaucoup de plaisir, parce que le plaisir fait partie de cet enseignement du jeu. Et si on apprend sans plaisir, eh bien je pense qu'on apprend moins bien. Merci Pierre. Donc, je reprends la main sur le plaisir. On a appelé l'association Le plaisir du mouvement. C'est une réalité à prendre. Apprendre sous la contrainte, ça ne stabilisera pas des comportements, ça dégoûtera des enfants. Et donc l'objectif quand même, prioritaire, c'est de prendre du plaisir dans une pratique sportive et qui est le rugby, quel que soit le niveau de performance qu'on atteindra. Sans plaisir, pour nous, il n'y a pas possibilité de s'inscrire sur la durée dans la pratique du rugby. Vous me direz si j'ai besoin juste de savoir si vous voyez le partage d'écran. Pour moi, oui, on le voit. Ouais, c'est bon. Impeccable. Ouais, ça marche, Olive. Allez. Impeccable. Donc, c'est quand même une diapositive qui représente pour nous, sur l'éducation du rugby, l'important, c'est d'abord la compréhension. Avant toute chose, et on parlera bien sûr du mouvement et de sa compréhension. Sans compréhension, il ne peut pas y avoir de stabilité de comportement. Il ne peut pas y avoir sans compréhension de référentiel commun, il ne peut pas y avoir sans compréhension de qualité dans les productions. Donc, vous savez dire comme moi, le plus dur, c'est de commencer par la tête, mais par contre, si on ne commence pas par la tête, le plus dur, ça sera d'organiser le mouvement.
Alors, pour bien définir le mouvement général, hein, pour nous, le mouvement général, dans sa définition, c'est quand les joueurs et le ballon sont en mouvement. Lorsque les blocages maul et ruck ressemblent à de la continuité, et que l'arrêt du ballon ne permet pas à la défense de se réorganiser. Et là, vraiment déjà, on doit avoir une idée dans l'enseignement de ce que doit faire l'éducateur. Parce qu'on est tous, je suppose, tous les gens qui participent à la... participent à la visio sont en situation d'éducateur. Et donc pour nous, ça, dans le jeu de mouvement, il est hyper important que derrière ces slides, on se fasse des idées, des représentations de l'éducateur en train d'enseigner le rugby. Le problème, il est bien là. C'est quand même se remettre en question en tant qu'éducateur dans le mouvement général. Donc dans le mouvement général, le fait qu'on veuille limiter la durée des mauls, des rucks, va nous amener à avoir un mode de fonctionnement dans le mouvement général pour le faire acquérir aux enfants. Je m'explique un peu plus clairement. Les deuxièmes ballons, le mouvement de l'éducateur qui réinjecte un deuxième ballon pour éliminer maul et ruck dans leur durée qui permettrait à la défense de se reconstituer, fait que l'éducateur, lui, s'inscrit dans le mouvement général et il élimine les phases de reconstruction défensive où le maul et le ruck seraient très longs de manière à mettre en place le mouvement général. C'est d'autant plus vrai que dans nos stages, on a des enfants entre 8 et 17 ans. C'est d'autant plus vrai avec les petits qui ne géreront pas ces phases-là et où si l'éducateur n'est pas participatif et n'est pas acteur du mouvement général, la production ne sera pas bonne. Pierre, si tu veux intervenir. Non. C'est l'objectif dans ce mouvement général pour l'éducateur, c'est évidemment d'entretenir une vitesse d'action, ne pas se bloquer aux phases de ruck et de maul. Et donc, son intervention, elle se veut dans la continuité du mouvement précédent. Je rajouterais donc que c'est avant de l'exiger des joueurs, la compréhension du mouvement général, il faut l'exiger de l'éducateur. Pourquoi apprendre en jouant? C'est tout simple, hein, c'est dans l'analyse du rugby. Pourquoi on apprend en jouant? C'est parce que 90% du... pourquoi on met le mouvement général au cœur de notre enseignement? 90% du rugby, c'est du mouvement général. Si vous pouviez enlever vos micros, on va retrouver plus facilement ce qu'on en apprend dans l'entraînement quand ça va être en s'entraînant proche du contexte et de la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui serait singer le rugby sans opposition, il faut avoir un très haut niveau de pratique pour imaginer de l'adversaire. Un enfant de 8 ans, il ne peut pas imaginer qu'en face, s'il n'y a personne, il y a des adversaires. Donc, nous, l'idée, c'est de les faire travailler dans une réalité proche. On entend aujourd'hui beaucoup parler de haute intensité. En réalité, la haute intensité, c'est être proche des situations que vont vivre les joueurs en match. Et l'entraînement, il doit prendre cette notion de proximité de la réalité comme étant quelque chose de très important pour l'apprentissage. Les questions, s'il y en a, Sam, je ne vois plus du tout ce qui est écrit. Donc. Comment on organise le mouvement général et quels repères on y prend? C'est ça qui est important pour l'éducateur, c'est déjà de bien pour nous maîtriser les principes fondamentaux, l'avancée, la continuité, la conservation, la marque. Et on va lier tout apprentissage et toute situation d'apprentissage à ces principes fondamentaux. De manière à ce que l'apprenant, en permanence, ces principes fondamentaux, on partage avec lui tous ces principes fondamentaux, mais en permanence. Et ça, on le retrouve le mieux dans le jeu avec opposition. Avec la logique d'aller marquer, parce que c'est la logique de l'activité. Alors, dans des termes un peu d'éducation physique, on parlerait de logique interne de l'activité, mais la logique de l'activité, c'est d'aller marquer en avançant, en continuité et de temps en temps en conservation pour maîtriser le ballon et réattaquer.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sam, il n'y a pas de questions? Non, pour le moment, non. OK. Elle est chargée ou pas? Elle est chargée ou pas? La chronologie. Le plus important. Oui, ça, à 100%. Le plus important, c'est de se reconnaître sur le terrain. Nous, on parle de famille et on en a quatre. Ces quatre familles, en fonction de l'âge des enfants, l'éducateur va s'intéresser de plus en plus à toute la complexité en avançant dans le temps de formation. Chez les tout-petits, par exemple, on va être plus sur la vie du ballon, l'espace n'étant pas significatif quand on a 7 et 8 ans. On a du mal, quand on est loin du ballon, à se reconnaître à quelle famille on appartient. C'est tout à fait logique. Par contre, en allant et en progressant dans le temps, on verra que toute la complexité de l'espace par rapport au ballon va prendre sa signification. Quatre familles, la vie du ballon, c'est une idée de proximité. Donc, on a parlé de cellules, de vie du ballon. D'accord, parce qu'il a demandé, merci de couper le micro. S'il vous plaît, merci de couper le micro, s'il vous plaît, merci. Donc, sur ces quatre familles, la vie du ballon, chez les petits, l'éducateur, il doit être centré dessus. C'est ce qui est très important chez les tout-petits, comment avance le ballon, comment il commence à communiquer dans cette cellule de vie du ballon qu'on pourrait identifier à un porteur et deux soutiens. Chez les tout-petits, cette vie du ballon, il faut que déjà il soit dans la compréhension des premiers principes fondamentaux et donc de l'avancée, de la continuité. Je ne peux pas avancer, je passe. C'est suffisant pour les tout-petits de commencer l'activité par cette logique. L'espace va devenir signifiant quand dans nos stages, il commence à grandir, mais assez rapidement. C'est 10-12 ans, on est déjà capable de se repérer sur l'espace. Pour nous, la vie de l'espace, c'est quand c'est des familles où on est un peu plus éloigné du ballon. La réserve axiale étant quelque chose qui va arriver un peu plus tard. On pourrait, vers les 14 ans, une compréhension complète de la réserve axiale. Donc, je résume, chez les petits, vie du ballon. Et puis après, ça va se complexifier avec le temps. Mais par contre, le rugby, on ne va pas le décortiquer comme ça. C'est l'œil du pédagogue qui va le faire comme ça et qui va se focaliser chez les petits, plus proche de la vie du ballon. Et après, le champ visuel, il va s'agrandir et les consignes vont s'agrandir. Je vous montre une vidéo pour expliquer un tout petit peu ce qu'est pour nous la vie de la famille. Vous voyez les vidéos ? Pierre, on voit les vidéos ? Non, on les voit encore. Ouais, donc, je suis obligé de sortir et de revenir. Je suis désolé, mais je suis obligé de manipuler. On est bon là ? Ouais. Ouais. Impeccable. Donc les familles, pour bien les illustrer, alors moi en général en formation je ne m'embête pas, quand j'essaie d'animer quelque chose et de l'expliquer je ne m'embête pas, je prends pour moi ceux qui sont les plus cohérents sur les 30 dernières années, c'est-à-dire les All Blacks. La vie du ballon, elle se situe ici, un porteur, on voit la souris ? Oui. Important, trois soutiens. D'accord ? Là, on est dans la vie du ballon. Après, on peut parler de tout ce qu'on veut. Là, l'éducateur, s'il y avait un éducateur dans une situation d'entraînement, il n'a pas besoin d'intervenir parce que le ruck ressemble à la continuité. Ça va très vite. On a des familles, vie de l'espace. Bien sûr, toutes les formes de jeu dans nos stages, on n'interdit surtout pas le jeu au pied. On ne dit pas, c'est une des formes de jeu. Donc là, on retourne dans une vie du ballon. L'éducateur n'aurait toujours pas à intervenir. La qualité du ruck fait qu'on est proche de la continuité. On a des joueurs dans l'espace. Après, c'est des choix. Là, on voit les passages à vide, tout ça, bien sûr. Hein, chez les 8 ans, dans des stages, il n'y a pas de passage à vide de bloc de joueurs. Et on verra quand est-ce que ça peut arriver. Chez les plus grands, bien sûr, au très haut niveau, c'est codifié et ce n'est pas grave du tout. Ça reste dans les mêmes principes. On retourne sur une vie du ballon.
Là, l'éducateur, c'est très long. Donc là, si on était dans une situation d'apprentissage pour être dans la dynamique du mouvement général, on aurait réintroduit un deuxième ballon. Parce que le plus difficile dans l'apprentissage, c'est d'être ligne contre ligne. Or là, le temps du ruck a permis à la défense de se reconstituer. Donc si on était dans un apprentissage avec un groupe, eh ben, on remettrait un deuxième ballon de manière à avoir plus de vie. À la place de ce deuxième ballon, d'ailleurs, les Blacks, ils utilisent le jeu au pied, le jeu appelé de dépossession, mais en réalité, là, c'est un jeu de repossession, puisque c'est un jeu au pied de récupération, avec objectif de récupération. Olivier, une question. Oui. Quand on parle de vie du ballon, est-ce uniquement sur phase de fixation de Lilian Rostin? Pierre, tu peux peut-être répondre aux questions, si tu veux. Répète-moi la question, là, un peu, je n'ai pas très bien compris. Quand on parle de la vie du ballon, est-ce uniquement sur phase de fixation? Non, pas du tout. La vie du ballon, elle se fait aussi dans le mouvement, c'est-à-dire comment on amène, par rapport aux décisions du porteur de balle, les joueurs qui sont les plus près, donc les plus utiles pour que cette vie du, pour que ce mouvement amène de la continuité. Ça se traduit par une proximité toujours plus importante près du ballon de manière à assurer la continuité, tout simplement. Alors après, s'il y a un arrêt du ballon et ça donne un regroupement comme un ruck, si elle est rapide, la continuité se fait tout à fait, ce qu'a dit Olivier, se fait tout à fait naturellement. S'il y a un blocage, là, c'est à l'entraîneur d'intervenir et de redonner un deuxième ballon, mais pas de le redonner n'importe où. Il faudra le redonner dans l'espace qui sera le plus facile pour entraîner la continuité. Ça amène la deuxième question là, de Robin, qui justement, Pierrot, Olivier, demandait comment aurait été introduit le second ballon sur le dernier ruck, Olivier, quand tu as dit que c'était un peu long, devant, derrière la défense. Bon, Pierrot a un petit peu répondu. Oui, je veux bien répondre. Là, il aurait fallu que l'éducateur, avec son deuxième ballon, eh bien, il enchaîne, qu'il ait lui-même lu où était le jeu le plus facile, le jeu juste donc, et qu'il enchaîne dans un sens ou dans un autre, là où il y a, où, dans les espaces où il y aurait eu le moins de monde, et que lui-même applique les principes fondamentaux, avancer et fasse venir les joueurs soutien rapidement, le plus possible à hauteur du ballon pour repasser cette ligne d'avantage. Vraiment, dans ce que dit Pierrot sur la ligne d'avantage, c'est fondamental. La lecture de l'avancée, elle doit être faite par les joueurs. Mais bien sûr, pour le deuxième ballon, il faut avoir une lecture de l'avancée. Et quand on dit avancer, et on le dit tous, jouer même sens, ça s'explique, avancer, jouer même sens. C'est parce que la défense n'a pas eu le temps de basculer. Et donc, soit on avance et on joue même sens, et là, l'éducateur, il faut qu'il perçoive cette avancée. Et donc, lui, il maîtrise totalement la ligne d'avantage. Et que sur la ligne d'avantage, il soit très clair avec ses gosses. Parce que les gamins, par contre, la ligne d'avantage, qui est une très bonne référence de l'avancée, ils le comprennent très, très vite. Et puis, d'autre part, si tu permets, Olivier, les gamins, quand on met un deuxième ballon, ils comprennent qu'il y a eu une erreur quelque part. Ils comprennent rapidement que la balle n'est pas sortie vite. Donc, le coup d'après, les expériences aidant, le coup d'après, eh bien, ils essaieront de libérer la balle plus vite si ça se reproduit. D'autres questions? On enchaîne sur la fin de cette action. Donc, on voit que là, c'est un jeu au pied de récupération. Il n'y a pas de souci. Olivier, il y a une question par rapport au deuxième ballon. Où est-ce que l'éducateur se positionne? Alors, le problème, c'est, après, ça va être pour moi la mobilité de l'éducateur. Il faut être mobile. Entraîner, c'est le seul sport collectif pour moi qui s'entraîne en étant dans l'action. Et donc, là, il faut être en mouvement avec l'action. Et il y a une forme de proximité quand même des phases d'arrêt, que ce soit des rucks et des mauls, de manière à pouvoir réintroduire le ballon proche de ces phases d'arrêt. De manière à ce que les gens qui apprennent à jouer au rugby, eh ben,
ça soit comme si le problème avait été bien réglé dans le ruck et que le ballon était rapide et qu'il sorte rapidement. C'est pour ça que la mobilité de l'éducateur, et c'est quelquefois un tout petit peu difficile hein, physiquement d'entraîner au rugby, c'est d'être très proche de chaque arrêt du jeu pour pouvoir redonner un deuxième ballon avec cohérence. Parce que si vous jetez un ballon à 25 mètres de l'arrêt du ballon, il n'a aucune cohérence et les apprenants ne peuvent pas comprendre que ce ballon, il arrive 25 mètres après une phase de ruck ou un maul ou un arrêt du ballon ou un en avant. Il faut être proche, il y a cette forme de proximité avec la cellule vie du ballon. J'ai envie de dire, si on doit intégrer une autre personne, c'est l'éducateur. Il ne faut pas qu'il soit trop loin de la cellule de vie du ballon. Je ne sais pas si ça donne d'autres questions, autrement on avance. Olivier. Oui. Mathieu Rollet. Oui, bonjour Mathieu. Ça risque d'amener un débat peut-être plus large, mais je voulais poser une question en tant que CTC sur les formations fédérales. Alors, on est dans un contexte délicat. Quand on a affaire à des éducateurs qui ou sont dans l'entraînement à distance et ne prennent pas assez part à l'animation avec les deux ballons, ou quelquefois les éducateurs se laissent emporter par leur enthousiasme à retrouver des velléités de joueurs, et qui finalement se retrouvent au milieu du jeu des enfants et qui finissent par être plus joueurs qu'éducateurs. Quelle est votre position et votre sentiment là-dessus sur comment essayer, dans le cadre des formations d'éducateurs fédérales, à transmettre le bon équilibre dans son rôle d'éducateur ? Moi, j'ai... Après, Pierre y répondra sûrement, hein, il enrichira ma réponse, mais moi, je pense que les éducateurs, déjà, c'est... Une notion qui est importante, c'est le volume d'expérience. Et donc, l'éducateur, il peut pas trop parler, trop diriger. Il doit laisser faire les choses et appuyer sur les points qui lui paraissent essentiels pour améliorer la compréhension, la lecture des joueurs. Ce que je veux dire, c'est qu'un éducateur qui arrête trop, qui parle énormément, qui dresse, j'ai envie de dire, les joueurs en leur disant « fais ceci, fais cela », ils tuent l'initiative. Donc, Mathieu, autant je pense qu'il faut être très présent dans le mouvement, très sollicitant pour ouvrir les yeux aux enfants, mais surtout, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est leur donner des ordres. Le rugby, pour moi, il ne s'ordonne pas. Et donc, nous, on veut essayer, en tant qu'éducateur, de les solliciter pour qu'ils ouvrent les yeux. Là où c'est facile, regarde, est-ce que c'est facile d'avancer, est-ce que le couloir en face de toi, il est libre, c'est tout ça. Mais ce n'est pas des avance, passe, il ne faut surtout pas, à mon avis, les téléguider. Et ça, c'est peut-être le plus difficile pour les gens qui sont, comme tu dis, un peu plus joueurs, enfin, qui se perçoivent comme joueurs, ils ont envie que les enfants jouent comme eux. Non, non, ce n'est pas ça du tout, être éducateur, c'est juste ouvrir le cerveau des joueurs pour les éclairer, à prendre des repères, à dire ben là c'est plein, là c'est vide, là c'est facile d'avancer, mais ce n'est pas le jouer à leur place. Et ça, c'est le gros problème, à mon avis, de l'éducateur, c'est de jouer à la place des joueurs. Il faut les laisser libres, les joueurs. Tu sais très bien que je comprends tout à fait ça, ayant participé avec vous sur les stages. J'ai très bien compris cette philosophie et je fais partie de cette mouvance. Si ce n'est qu'on est confronté à des éducateurs qui ne sont pas toujours dans cet état d'esprit. Donc, ça pose la question pour nous, formateurs, de trouver des solutions pour faire changer le logiciel des gens ou changer leur culture éducative dans laquelle ils ont certainement été éduqués enfants pour essayer d'être beaucoup moins directifs et d'être beaucoup plus sur le questionnement pour que les enfants puissent développer leur intelligence de jeu. Et c'est là où on a des limites dans la formation et dans le volume de formation, je pense, pour pouvoir... essayer de faire rentrer un maximum de gens dans cette mouvance. Si ce n'est des gens qui sont déjà éduqués comme ça et qui ont déjà des affinités avec cette façon de transmettre le message aux enfants ou aux joueurs. Moi, je m'excuse. Continuez. Oui. La question que tu poses, elle se vérifie à tout moment dans les stages de formation. Parce que très souvent, les entraîneurs qui viennent là ou les éducateurs n'ont pas une connaissance du jeu exceptionnelle.
Et donc, il faut les amener à avoir cette connaissance, parce que sans ça, eh bien, la facilité, c'est évidemment d'intervenir, c'est-à-dire de se mettre à la place d'eux. Or, c'est ça qu'il ne faut pas. Et malheureusement, entraîner des joueurs dans un travail complexe où les rapports d'opposition changent d'une situation à une autre et où il faut décider où c'est, à quel endroit on va remettre le ballon pour recréer une situation favorable, c'est pas si facile. Donc il faut pratiquer. Il faut, comme les enfants se trompent, eh bien, il faut que les entraîneurs se trompent. Et petit à petit, eh bien, ça viendra. Et ça demande, et Olivier l'a très bien dit, ça demande de la mobilité sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut être là où le problème va se poser. Et quand le problème va se poser, il faut déjà l'avoir anticipé. Se dire, là, si ça bloque, où c'est que je vais donner le deuxième ballon. Et ça, ce n'est pas facile. C'est pour ça que cette éducation par le mouvement, pour un entraîneur qui veut vraiment l'assimiler, eh bien, ça demande un peu de temps. Et là où moi, je partage complètement avec Pierre, c'est que l'entraîneur, il est comme le joueur, il a besoin de repères par rapport à ça. Et pour moi, honnêtement, travailler sans la ligne d'avantage, sans comprendre les pressions entre deux joueurs, puisqu'on est dans un sport d'opposition, il faut que l'entraîneur, lui, il sache que si on est sur un moment où on avance, on a bien franchi la ligne d'avantage, ou si on a pris des pressions et comment il faut remettre le ballon. Et lui, il faut qu'il soit dans l'analyse de ça. Et le plus dur, c'est sûrement de prévoir. Et pour moi, vraiment, l'éducateur, il faut qu'on se projette. Et c'est pas, on fait souvent des constats. Et au lieu de faire des constats, il faudrait qu'on ait quasiment le travail d'avoir un coup d'avance par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est le plus difficile. On enchaîne un peu ? Oui, attends. Pardon. Vas-y, ça fait rien. Vas-y. C'est bon. Donc là, on va voir. Hein. Les Blacks, quand même, ils ont… C'est juste… Oui. Ouais, non, c'est par rapport à la question de Mathieu. Peut-être qu'il faudrait modifier la grille d'évaluation de l'éducateur et intégrer des éléments liés à l'utilisation du deuxième ballon, tous ces aspects-là. Moi, je suis assez quand même sur les observables, hein, et tu as raison. Où on met le deuxième ballon, c'est parce qu'on a observé ça qu'on donne le deuxième ballon comme ça. C'est parce qu'on a observé ça. Et ça, c'est important. C'est parce qu'on a vu ça qu'on le donne comme ça, le deuxième ballon. C'est parce que j'ai vu qu'ils avaient franchi, eh ben, que je le mets dans le même sens. C'est parce que j'ai vu qu'on avait pris des pressions, que moi, j'avance un petit peu plus pour leur redonner de l'avancée sur le deuxième ballon. Et ça, c'est vraiment dans la finesse, à mon avis, de l'éducateur. Et il y a des observables. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'éducateur, à des moments, il doit arrêter le jeu quand il y a de grosses erreurs, qu'il y a vraiment des interprétations et une lecture du jeu qui n'est pas bonne, arrêter le jeu et questionner les joueurs, leur dire, regardez où vous avez joué, est-ce qu'on pouvait mieux faire, ou c'est que ça aurait été plus facile de jouer. Je crois que s'arrêter, ce n'est pas interdit, mais on ne peut pas s'arrêter en permanence, ce n'est pas possible. Et là, ce que dit Pierre, c'est s'arrêter pour ce que l'éducateur, lui, pense important. Si c'est pour arrêter, il faut avoir des flashs, des photos, pour que les gosses ils comprennent bien ce qu'on veut d'important. Parce que le boulot de l'éducateur, ce n'est pas de refaire tout le rugby, c'est de déguiser les yeux des enfants sur ce qui est important. C'est libre, c'est pas libre. Est-ce que tu as avancé, est-ce que tu n'as pas avancé, est-ce que tu as joué là où c'était plein, est-ce que tu as joué là où c'était vide. Et on continue. Oui, vas-y. On utilise beaucoup, nous, ce qu'on appelle le principe d'utilité, qui est cher à Georges Coste. Le principe d'utilité, c'est faire comprendre aux gamins, en fonction de leur position sur le terrain, où est-ce qu'ils vont être utiles. Est-ce qu'ils vont être utiles à la vie du ballon? Est-ce qu'ils vont être utiles dans le premier espace ou dans un espace plus loin? Mais ce principe d'utilité, on l'utilise, c'est le cas de le dire, on l'utilise en permanence pour apporter une connaissance du jeu aux joueurs et les amener évidemment à poser des questions. On continue sur la vidéo. Donc,
Pour nos familles, hein, donc là, on va, et vous le savez, hein, on a des joueurs en retard, on a un joueur en avance, là, et puis on a le moment où il faut se sentir utile au ballon, comme le dit Pierre, et donc rentrer dans la vie du ballon. Là, il y a une utilité sur l'espace de ce joueur-là où j'ai le curseur, il y a une utilité sur l'espace de cela, et puis il y a une utilité dans la vie du ballon. Donc, on va voir que dans la vie du ballon, tous les gens à proximité, qu'ils soient dedans ou dehors, peu importe, donc, mais pourvu qu'ils soient proches et qu'ils se sentent utiles, il faut qu'ils convergent. La notion de convergence dans l'avancée, elle est très importante. Ballon rapide, eh ben, dans la logique, hein, c'est je joue même sens et même chez les Blacks, avec des joueurs qui sont en avance sur l'espace. Notre vie du ballon. Là, l'éducateur, si on se met à la place d'un entraînement, eh ben, là, il n'a pas besoin de toucher au deuxième ballon. Il a besoin d'être proche pour analyser où c'est facile d'avancer. Eh ben, là, si nos gamins ils jouent ici, c'est peut-être le moment de les arrêter pour leur dire, mais là, c'est quand même en forte densité. Et ça, c'est un repère. Pour moi, la densité défensive, c'est un repère. Là, il y a une très grosse densité. Il est tout à fait logique qu'on déplace le ballon. Ces gestes-là, nous, dans notre éducation, hein, sur les stages, cette passe au sol, elle veut quasiment dire au neuf, là, au neuf, là, au relayeur, j'ai pas besoin de t'attendre, ça va pas assez vite, t'es pas là à l'heure, je balance parce que je veux qu'il y ait tellement de continuité. Et puis aujourd'hui, hein, je sais qu'il y a quelques éducateurs du Stade Toulousain, s'il y a bien un club qui est dans cette dynamique, on a la chance, hein, de voir en top 14 le Stade Toulousain qui est dans cette dynamique aujourd'hui. Et là, on a deux passes au sol. Mais le ballon, par contre, il est mis dans le bon espace. Alors, on peut dire, oh, les passes au sol. Là ils mettent le ballon dans le bon espace. Et là, on ne parle même pas d'un problème technique. Ils ont mis le ballon dans le bon espace, qui rebondissent au sol, ben, malgré tout. Et ben, pourtant, c'est les meilleurs joueurs du monde. Hein. Ça arrive. Et donc, il ne faut surtout pas arrêter là, techniquement, en disant, ouais, ta passe n'est pas assez longue. L'espace touché, c'était le bon. Jouer les duels, sortir les frontales, tout ça, ça va dans la vie du ballon. Non, alors ça ne sert à rien de prendre la pizza de maman. Oui. Non. Quand même, hein, cette recherche permanente de mettre le ballon là où c'est facile d'avancer, de rester en continuité pour pas que la défense, elle se reconstruise, c'est vital. Si on parle de jeu de mouvement, c'est vital. Alors, ça gâche rien d'avoir des bons joueurs de rugby. Hein. Alors, c'est plus facile peut-être de le voir avec les Blacks. Mais ils ont respecté où je suis sur le terrain, à quoi je sers. Donc là, on est… Ah, pardon. Mathieu Bastaro, il est au cercle. Ça... Pardon. C'est un rap. Donc là, on a bien vu où j'étais sur le terrain. D'accord, je pense que c'est clair pour tout le monde. On appartient forcément à une famille sur le terrain. En tout cas, dans notre définition, on appartient forcément à une famille. Après, dans notre famille, on pourrait se poser la question, pourquoi faire ? Où je suis sur le terrain, c'est la première question. Si je ne sais pas où je suis sur le terrain, et ça, c'est à l'éducateur d'aider l'enfant à reconnaître où je suis sur le terrain, proche du ballon, loin du ballon, dans un espace où le ballon s'écarte de moi, où il se rapproche de moi. L'éducateur, lui, par ces questions-là, il doit vérifier que l'enfant, l'apprenant, il sait où il est sur le terrain. Parce que sans savoir, je ne peux pas être utile. Ce n'est pas possible. Après, il y a le pourquoi faire. Oui ? On a deux questions par rapport à la vidéo qui vient d'être finie. La première, c'est de Arnaud qui demandait comment gérer les travers dans ces situations. Les travers, les courses en travers ? Je pense, oui. Ouais. Et la deuxième, qu'est-ce qui détermine le bon espace, nous, en tant qu'éducateurs ? Alors, le travers, il faut lui donner l'importance qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'on a vu, si vous l'avez en tête, on a vu la passe du 10 qui dit « c'est plus important de déplacer le ballon loin que de fixer la défense ». Il a couru en travers, le 10, là, à un moment, Carter, il a couru en travers. Mais ce n'est pas la peine de l'arrêter.
Parce que l'idée la plus importante, c'était de mettre le ballon là où c'était, où ça allait être facile d'avancer. Là, ce n'était pas de tenir la défense par la course. Donc, il faut faire attention. Il faut bien juger du comportement par rapport à la situation. Autant s'il avait joué, bouffé tout l'espace pour jouer un 2 contre 1, qu'il avait bouffé tout l'espace et qu'il avait couru en travers, ça pouvait être grave. Mais là, pour déplacer le ballon dans une zone où il y avait pas, où il fallait que le ballon aille très vite, ce n'était pas un problème qui porte un peu en travers pour avoir une très longue passe. Donc ça, il faut faire attention, à mon avis. Et vraiment analyser le comportement par rapport à la situation. Parce que courir en travers, quelquefois, eh ben, ça peut être très bien. Ça répond à la situation. Pierre, si tu veux rajouter quelque chose. Non, le jeu, les courses en travers se corrigent au fil du développement du joueur, hein, progressivement. Et courir en travers, ça veut dire à un moment pour les autres qui sont susceptibles de recevoir le ballon, qu'eux vont devoir courir droit. C'est-à-dire que la course rectiligne sera le fait d'un autre joueur et pas seulement de celui qui a le ballon. Faut pas. C'est pour ça qu'avec les plus jeunes, quand on met en jeu un deuxième ballon, on ne fait pas de passe. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas de passe. Je demande, je vais me placer, et je cours peut-être en travers, mais je vais me placer de manière à ce que le joueur vienne me prendre le ballon dans les mains. Et en me le prenant dans les mains, je suis sûr qu'il va avoir une course rectiligne. Il y avait la première question, c'était sur la course en travers. La deuxième question d'Arnaud, c'était quoi, pardon ? Alors, la deuxième question, Hugo, qu'est-ce qui détermine le bon espace, nous, en tant qu'éducateurs ? Moi, je crois vraiment, dans tous les sports collectifs, on parle de couloir plein et de couloir vide. Le bon espace, quand même, c'est un couloir où je vais pouvoir avancer. Alors, quelquefois, vous allez avoir, et ça, c'est une réalité aussi, des différences de l'hétérogénéité, quelquefois physique, hein, chez les jeunes joueurs. Eh bien, il y a un joueur, il va pouvoir avancer avec trois gamins sur le dos. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Il faudra sûrement lui en rajouter un quatrième pour qu'il comprenne qu'à un moment, eh bien, c'est fermé. Et puis, vous allez voir que si vous lui remplissez, même le très, très dominant physiquement, il va comprendre que les autres, eh bien, ils avancent plus facilement que lui quand ils sont tout seuls à courir dans la prairie. Ils avancent plus facilement que lui que quand il a quatre mecs sur les. Il a beau être solide, quand il a quatre mecs sur le dos, il a du mal à avancer. Et donc, ça, c'est la densité défensive. Moi, j'aime à parler de la densité défensive parce que tous les sportco, ils parlent de densité défensive. Moi, j'avais lu un jour un article de Jean-Claude Chaudeau, qui est un formateur exceptionnel du FC Nantes. Il appliquait les mêmes principes que le rugby. C'est plein, c'est vide, je ressors de l'espace plein pour aller chercher un espace vide. Et moi, ça me semble être un observable en plus. Nous, on aime bien bosser avec des couloirs parce que c'est facile de voir quand on trace des couloirs sur un terrain de rugby. En réalité, un terrain de rugby, il y a entre 5 et 6 couloirs, selon comment on veut bosser, il y a entre 5 et 6 couloirs. Et bien, avec 5 ou 6 couloirs, on voit quels sont les couloirs pleins et les couloirs vides. Donc, moi, je m'attache beaucoup au couloir plein, au couloir vide. C'est un observable qui est assez facile. C'est un observable facile pour l'entraîneur et facile pour le joueur, hein, également. Très rapidement, quand on leur parle de plein et de vide, ils sont à même de communiquer par eux-mêmes et de s'aider à faire les choix. Les bons choix, bien sûr. Vous avez la vidéo ? Ouais. Oui. Ouais. Donc, on regarde donc dans notre deuxième chronologie. Hein. Les joueurs savent où ils sont sur le terrain. Pourquoi faire ? Et donc, il y a des choix. Alors, bien sûr, hein, il y a des choix. Et Thomas Ramos, qui me semble-t-il, a été éduqué au Stade toulousain. Le joueur, il choisit, et même dans sa forme de duel, il choisit. Donc là, pourquoi faire ? Lui, quand on se pose la question, il sait qu'il est vide du ballon, il a le ballon, donc pourquoi faire ? Lui, il veut sortir du duel de manière à avoir les bras libres et rester en continuité. Ça, c'est des observables. Il cherche à avoir les bras libres, il cherche à sortir du frontal, et ça, c'est un constat.
Et donc, puisqu'il a les bras libres, ses soutiens eh ben, sont à même de recevoir le ballon parce que c'est un repère. Le petit Macheneau, il sait très bien que Ramos, il a les bras libres. Donc, il est tout à fait prêt à recevoir. C'est plein ou c'est vide? Eh ben là, lui, il se dit, ben, et je le comprends, hein, quand il voit le 8 qui fait 120 kilos, il se dit, c'est plein. Pourquoi faire? Donc là, il se dit, dans sa tête, lui, il se dit que là, il y a de la densité. Par contre, le principe d'avancer, à un moment, quand il y a une belle porte devant soi, moi, je ne suis pas pour dire, il faut chercher le plus grand espace. Je suis pour dire, il faut prendre la première belle porte. Parce qu'à un moment, le principe fondamental, c'est d'avancer. Là, on peut parler, c'est bien joué, mal joué, peu importe. Il y a collectivement une relation collective. Il court en travers, eh ben, c'est un moment. Ficou, il se dit, ça va être compliqué, donc je viens croiser. Vie du ballon, les nettoyages, donc pourquoi faire? Il y a un coup de casaque pour nettoyer le ballon très rapidement. Il est mis dans du nettoyage. Il a une première belle porte, il la prend. Il est libre au niveau des bras. Donc, le soutien, là, on est dans le pourquoi faire. Le roux, il y est là, dans sa famille, il a compris. Et donc, le pourquoi faire, c'est les bras libres, donc continuité. Donc, il est là sur la continuité. Il se démerde pour avoir les bras libres. Donc, continuité, puisque mon partenaire va pouvoir avancer plus vite que moi. Donc, tous ces repères, c'est des repères pour l'éducateur. Là, l'éducateur, il n'a pas besoin de donner un deuxième ballon. La dynamique, elle n'est pas coupée. J'en avais plein de neufs, en fait, que j'avais pas utilisé. Je pense que plus ça va aujourd'hui, et plus on va aller aussi sur toutes les formes de jeu. Aujourd'hui, eh ben, l'utilisation du jeu au pied, notamment ce jeu au pied offensif, ne pose strictement aucun problème dans l'éducation, dans le mouvement général. Des questions sur cette vidéo? Donc là, on voit bien que la notion porteur-non porteur dans le pourquoi faire, elle est tout à fait cohérente. Après, on utilise, nous, des termes, manipulateur, perforateur, accélérateur, c'est une réalité du rugby, et on est dans le pourquoi faire. En face de moi, c'est plein. Donc, il faut que je manipule pour sortir de cette densité. En face de moi, c'est vide. Il faut que je mette de l'avancée. Donc, je suis perforateur. Et dès qu'il y aura perforateur, il faudra trouver un accélérateur. Un accélérateur, ça va être soit quelqu'un qui sera dans une accélération du ballon vers la cible, c'est-à-dire vers l'en-but, donc dans de la continuité. Ou autrement, il sera dans une activité de nettoyage. Et à ce moment-là, eh ben, il fera que le ballon est vite disponible pour mon équipe pour jouer ailleurs. Après, on est dans comment le faire. Et un éducateur, il faut, à mon avis, qu'il maîtrise forcément très bien les formes de jeu. Et les formes de jeu, les trois formes de jeu, c'est hyper important parce qu'après, des formes de jeu vont découler des outils. Et là, on parlait, je crois que c'est Arnaud qui en parlait, on va parler, bien sûr, dans le mouvement général, des aspects techniques, mais au service du mouvement général et pas comme étant un prérequis de base. La technique individuelle au rugby, moi, je suis comme Pierre, enseignant d'EPS. Très honnêtement, dans le transport du ballon, le rugby est l'activité la plus facile. Le volley est très, très compliqué. Le football, le pied quand même, et c'est compliqué. Le rugby est l'activité la plus facile dans le transport du ballon. Et donc, ça, c'est encore plus prégnant qu'il faut bien comprendre les choses. Et après, des techniques, on les apprendra. Et les techniques en jouant, en plus, on les travaille. Et c'est là où le débat entre quand est-ce qu'on met de la technique individuelle, quand est-ce qu'on met du mouvement général, il y a une chose est sûre, hein, c'est quand on fait de la technique individuelle pure, il n'y a pas de mouvement général dedans. Mais par contre, quand on fait du mouvement général, il y a forcément de la technique individuelle dedans. Ça, c'est une certitude. Donc, on va sur quelle forme de jeu? Je suis désolé, je suis obligé de manipuler, j'ouvre. Je suis obligé de recouper. Vous ne la voyez pas, la vidéo, hein, là? Non, pour l'instant, non. Ouais, je suis obligé de refermer le partage d'écran. Je suis désolé. Arrêtez. Je suis obligé de le reprendre. Oh, monsieur Jean Bidal.
Salut Jean Vidal. Salut Baldiv. Alors là, vraiment, hein, le mouvement général, il demande de la polyvalence. Et on va s'apercevoir que la différence entre les équipes qui sont facilement lisibles et celles qui ne le sont pas, c'est sûrement tout ce qui est dans la polyvalence. Plus le joueur il est polyvalent et formé dans le mouvement général, plus il va être capable de répondre à la situation, non pas par rapport à son numéro, mais par rapport à son utilité. Ceux qui ont joué il y a très longtemps, les deuxièmes lignes n'étaient quand même pas des adeptes des passes. On voit qu'aujourd'hui, le deuxième ligne, on ne le reconnaît pas trop. Le pilier, il est capable d'aller plus vite que le talon. Donc là, la grosse différence, hein, c'est ces manipulations dans les couloirs des 15 mètres. Réellement, et faites par un talonneur. Aujourd'hui, moi, je suis obligé d'arrêter l'image pour savoir quel est le numéro de ce joueur. On est dans la pure polyvalence. C'est un joueur de rugby. Désolé, hein, je ne sais pas comment faire sans cette manip. Olivier, il y a une question. Oui, vas-y. Émeric, il est important de gérer les contraintes défensives, la densité, le nombre, je ne vois plus rien avec ça. Les espaces libres, en fait, c'est créer des conditions en fait facilitantes pour les utilisateurs du ballon. Donc, est-ce que justement les éducateurs doivent créer ces espaces pour la continuité de la lecture pour les enfants? Et est-ce que cela limite l'intervention des éducateurs sur l'attaque? Moi, je suis pas persuadé de ça. Je suis persuadé d'une chose, par contre, c'est que le plus difficile à régler pour un joueur, le lancement de jeu, c'est ligne contre ligne. C'est le plus difficile. Ligne contre ligne, sans déséquilibre, c'est le pire. C'est le plus difficile. Et en plus, la réalité, c'est que ça soit à partir de touche, de mêlée, de coup d'envoi, de coup de renvoi, ça n'existe pas. Donc, si on se met à 12 contre 12 sur un rideau et qu'on lance le jeu comme ça, il faut vraiment avoir des experts pour qu'ils s'en sortent avec quelque chose de cohérent. Non, il faut absolument, et plus ils sont jeunes, plus on doit faire ça, créer des déséquilibres importants. D'abord pour leur apporter une lecture du jeu plus facile, et ensuite pour les amener à franchir la ligne d'avantage qui amène les soutiens à être près du porteur de balle. Autrement, on ne passe pas. Hein. Les gamins, ils sont en échec. Et on ne peut pas les laisser en échec. Ce n'est pas possible. Non, il n'y a pas de ça qu'on fait la coupe. Je ne veux pas que tu regardes. D'autres questions, Sam, avant de voir cette vidéo? La priorité est pour répondre à la situation. La priorité est pour répondre à la situation de se connaître. Yann, travailler alors, enfants, une réflexion sur la situation. Oui. Moi, je mets un bémol à ça. La chose la plus importante, ce n'est pas de se connaître. C'est que les joueurs, ils connaissent la même chose. Et qu'ils ne se connaissent pas, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'ils connaissent la même chose. C'est-à-dire, quand j'avance, où je joue, quand je suis dans la vie du ballon, est-ce que je me rapproche ou pas? Le référentiel commun qu'on essaie de construire sur le mouvement général, c'est sûrement ça qui est le plus important pour les joueurs. C'est un sport collectif. Et c'est sûrement le sport co qui est le plus collectif. Le but, c'est que le jeu du porteur de balle, au fur et à mesure de la progression des joueurs, le jeu du porteur de balle doit devenir le jeu de ses partenaires. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre au même moment que sa décision, et donc qu'ils vont se placer en fonction de cette décision. Et la distribution des joueurs se fera par rapport à la décision du porteur de balle. Ils l'auront intégré et donc ils ne seront pas en retard si ça continue ou s'il faut réagir différemment. On va voir là une vidéo que je pense que Conrad Smith a dû écrire le livre sur le rugby. Et donc on va voir comme un joueur qui prend des initiatives, comment il peut être lu par ses partenaires de manière cohérente, parce que pour moi, le référentiel commun, c'est le SMIC du rugbyman. Et derrière, après, il y a des virtuoses qui vont aller encore plus loin que le référentiel commun. C'est le cas, là, on va suivre un peu plus de Conrad Smith sur cette vidéo.
Donc là, les blagues sont sur un lancement de jeu qui est codifié. Le retour, ça, c'est codifié. Hein. Ils viennent dans le retour, c'est codifié. Par contre, à partir de là, on est en lecture. Le 14, il met le ballon là où c'est facile d'avancer. Mmh. Le talonneur, qui est le talonneur, hein, joue un duel de manière à pouvoir conserver de la dynamique au mouvement. Quelquefois, ils vont se tromper sur cette action, on peut en discuter. Mais ils ont tous le même référentiel. Mettre le ballon là où c'est facile, et quelquefois, on peut dire qu'ils se trompent. Parce que là, à la vidéo, on pourrait dire que, eh ben, il semble quand même que la belle porte, elle est là. Mais si on se trompe au rugby, comme la course de Carter et en travers, Nounou, lui, réagit en disant, bah, tu cours en travers, moi, je te propose une solution par rapport à ta course. Alors qu'effectivement, on peut penser que le jeu, il est peut-être meilleur là. Peu importe, on ne perd pas le ballon, on garde la dynamique. Oui, c'est pas mal aux yeux, mais tu l'as. Bon, non, elle tombe après. Il comprend bien qu'il n'y aura pas de continuité. Son pote, après, la bouffe. Son pote, il est pris au niveau des bras. Il comprend qu'il n'aura pas de continuité. Jouer là où c'est facile, ben, Reed il le fait pas, c'est sur un référentiel commun, il met le ballon là où ça va être plus facile d'avancer. Alors là, le festival McCo il commence, si on regarde bien, et c'est là où on est sur de l'extrême polyvalence et de la compréhension extrême de certains joueurs. Ça veut dire qu'il y a une éducation. Lui, il n'est pas numéro 9. Eh ben, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. Donc, là, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, on essaye avec nos enfants en formation qu'il y ait une polyvalence, qu'il n'y a pas un numéro. Effectivement, le relayeur, c'est souvent le 9. Mais là, Conrad Smith, lui, comprend que le ballon, il est propre, ça va vite, et pourtant, le 9, il n'est pas loin, hein. Il dit non, tu vas, ça va passer vite. Moi, j'ai envie de garder cette continuité parce que la défense ne se replace pas. Et nous, on doit l'apprendre, ça. C'est hyper important qu'on soit très bon là-dessus. Vous vous souvenez de Conrad Smith passeur? Il se dit, dans la vie du ballon, là, quand même, lui, il va avoir besoin d'un coup de casque. Eh bien, regardez. Mahanonou, là, vous ne lui dites pas Mahanonou. Si quelqu'un le connaît bien, vous ne lui dites rien, que je ne l'ai pas dit ce soir. Hein. Mais regardez l'attitude de Mahanonou par rapport à l'attitude de Conrad Smith. Conrad Smith, souvenez-vous, vient d'être passeur. Mahanonou lâche, ils doivent être fâchés tous les deux. Donc Mahanonou le lâche complètement, alors que l'utilité, c'est quand même de venir soutenir son collègue. Eh ben, c'est Conrad Smith qui fait le boulot. Regardez bien Conrad Smith, on est sur l'utilité, le principe d'utilité. Vous l'avez là, vous voyez, ah, il est. Alors Mahanonou, il est là. Hein. Grosso modo, Mahanonou, il a fait 12 mètres. Pendant que Conrad Smith, on va le retrouver ici. Moi, j'aime bien le sens « ne cours pas là où tu donnes ». Arnaud, il disait les angles. C'est hyper important parce que ça oriente quand même une équipe. Là, lui, il ne court pas là où il donne. Il veut jouer ici. Eh ben, il a arrêté les défenseurs. Bon, je pense que, très honnêtement, Conrad Smith, il a fait le bouquin du rugby, mais que, par contre, il a plein de partenaires qui jouent avec lui et qui comprennent. Parce que le faire tout seul, le bouquin, c'est intéressant. Là, il a fait le bouquin du rugby, mais en plus, tous ses partenaires le comprennent. Il pousse le principe d'utilité dans l'action. Il n'a aucun moment, c'est ce qu'on cherche avec les gamins. Il sait en permanence à quoi il sert, il sait en permanence où il est, et toutes ses attitudes de porteur et de soutien sont cohérentes par rapport à l'utilité. Voilà ce qu'on cherche. C'est simple, hein, illustré par Conrad Smith, c'est hyper simple. Hein. Après, on a des joueurs qui l'illustrent un peu moins bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, on enchaîne. Je suis bloqué.
Les lancements de jeu, très important dans la méthodologie. Je ne sais pas qui posait la question tout à l'heure, je ne me souviens plus du prénom. Les lancements de jeu, c'est sûrement là où on crée les déséquilibres. Et l'éducateur, s'il n'a pas bossé ses lancements de jeu, eh ben, il ne peut pas être exigeant par rapport à ses apprenants, à ses gosses, à ses seniors. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Le boulot de l'éducateur, c'est de prévoir ses lancements de jeu cohérents par rapport à ce qu'il veut voir. Si, par exemple, on travaille sur, je sais pas, l'utilisation des surnombres latéraux et qu'on lance le jeu ligne contre ligne, eh ben, il va falloir qu'il se crée la situation. C'est pas le but. Si on doit travailler surnombre offensif, eh ben, il va falloir le créer dans son lancement de jeu. Les mises en situation, c'est prioritaire. Nous, on croit vraiment à l'opposition. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, on parle de haute intensité, parce que sous haute intensité, moi, j'entends travail en opposition. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui s'y passe. Les gens du Stade Toulousain qui voyaient travailler l'équipe première, elle doit travailler, vu la production, il me semble qu'elle doit travailler souvent en opposition. Attention. Oui, Sam. Oui, très souvent, c'est une réappropriation des gestes en permanence dans de la réalité. Et après, bon, il y a des intensités qui sont différentes, qui sont plus souvent courues, des fois combattues, des fois les deux. Mais ça reste toujours avec un rapport attaque-défense en permanence, bien sûr. La haute intensité, en tout cas l'opposition, ça ne veut pas dire tout le temps balle réelle, caramel. Mais ça veut dire haute intensité de course, haute intensité dans les choix. Quelquefois, il y a des consignes, on plaque à la ceinture, on fait tomber, il n'y a pas de plaquage positif, il n'y a pas de caramel. Pour moi, la haute intensité, c'est le niveau d'implication mentale qu'on va travailler avec les joueurs de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris dans le match. Il y a une question, Olivier. Pierre, attends, ça me parle. Pierre, tu voulais intervenir? Lancement de jeu ou lancement du jeu en termes d'animation de l'éducateur? Du jeu. on peut dire l'un ou l'autre, hein, c'est pas un problème. Lancement de jeu dans le sens d'un positionnement. Lancement du jeu dans le moment où on va lâcher le ballon, quoi. Hein. Mais l'un ou l'autre, ça ne me gêne pas. Ben, on va regarder ce qu'on entend par lancement de jeu. Après, c'est... Oui, pardon. Alors, je reprends. Olivier, Lilian, oui. Qui a posé la question. Ouais. Marc, sur une petite formulation, l'éducateur en formation pourrait comprendre lancement stratégique, en fait. C'est pour ça qu'il pose la question entre le lancement de jeu ou le lancement du jeu. Éducateur pour pas qu'ils comprennent en fait que l'on parle que de stratégie. C'est le lancement de la situation. Si on veut éclairer un tout petit peu, c'est le lancement de la situation. Et le lancement de la situation, il doit être lié au thème qu'on veut travailler. Si on veut travailler le surnombre, eh ben on va voir là par exemple Yannick qui est sur nos stages et on va le voir bosser sur un lancement. Ou manifestement, eh ben on va essayer de le voir, mais il met une équipe en avançant, sa forme de lancement de jeu fait qu'une équipe est en avançant, que manifestement, il y a quand même une situation qui est plutôt favorable à l'utilisation de l'espace. Donc là, l'éducateur, il a créé par son lancement une défense qui recule, donc facilitante pour l'attaque, une défense qui est plutôt resserrée par rapport aux défenseurs, on peut le voir là sur l'arrêt sur image. Donc, ce lancement de jeu tout simple fait que, eh ben, il est dans le thème qui s'était donné. Olivier, une question. Oui. Patrick, qui demande comment peut-on utiliser le jeu à toucher dans cette notion de travail en opposition, surtout quand les contacts sont limités. Bon, en plus, ça touche la période actuelle. Donc, comment on peut arriver justement à utiliser ce jeu à toucher, ce fameux jeu à toucher 2 secondes, là, par exemple, dans les notions de travail en opposition, quand les contacts sont limités? Le jeu à toucher, moi, il ne me dérange pas. Il a quand même ça de bien dans le fait de faire participer les joueurs et d'aider à la continuité.
Après, moi, je n'y passerai pas non plus plus de temps qu'il n'en faut. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé. Mais le jeu a touché deux secondes données. Moi, me va bien pour rentrer des gosses dans l'activité, pour être en continuité. Après, il ne faut pas nier l'importance de l'avancée pour moi. Le problème du jeu a touché deux secondes, c'est que les éducateurs ont tendance à attendre que les deux secondes et on donne le ballon à une équipe ou à une autre. C'est pas ça du tout. Le jeu a touché deux secondes. C'est aussi de faire venir les soutiens pour pouvoir continuer l'avancée, pousser, récupérer le ballon, jouer. Or, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que les joueurs qui ne sont pas concernés par le blocage attendent que le ballon leur revienne. Et là, on est dans une dérive des principes du jeu, avancer, soutenir. C'est là où c'est inquiétant. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. On ne peut pas nier les principes fondamentaux. L'avancée, elle peut se faire direct par la passe, mais elle est souvent aussi indirecte par le nettoyage, le soutien, l'arrachage. Bon, ben, c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas y passer trop de temps sur le toucher à deux secondes. Et je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'expérience, je ne sais pas comment il est traité. Le gamin, quand on voit jouer les gamins sur ce jeu à toucher deux secondes, le gamin qui est touché, il s'arrête. Les soutiens attendent que le ballon revienne hein, immédiatement. Et alors, les principes fondamentaux de notre jeu, ben, ils sont complètement édulcorés, hein, on les oublie. Est-ce que dans le jeu, alors c'est une question qui est naïve, hein, mais pour l'avoir utilisé, par contre, le jeu à ceinturer lâché me paraît plus intéressant. C'est-à-dire ceinturer, c'est déjà pour le plaquage quelque chose qui est mieux que touché pour moi, puisque ceinturer, c'est déjà la bonne position pour aller plaquer. Et le fait de ceinturer lâché, ça donne quand même une idée de soutien. Alors, moi je ne voudrais pas que l'on croie que je suis contre le jeu à toucher. Je l'utilise moi-même, le jeu à toucher, mais je l'utilise pour différentes raisons. C'est pour faire comprendre aux porteurs de balles jusqu'où peut-il aller pour jouer individuellement et au lieu de prendre en compte le soutien qui est le plus proche. Ça m'intéresse. Mais autrement, je trouve qu'il y a une dérive, je dirais, dans l'utilisation trop souvent de ce jeu à toucher de seconde. Olivier ? Oui ? Moi, je crois que dans la période actuelle où nous n'avons pas le choix en stade 3 de faire cette forme de jeu, et puis même sur le toucher de seconde qui dure une petite partie de l'année pour certaines catégories, moi le constat que je fais, c'est qu'on voit des gamins qui sont que dans une seule forme de jeu en fait, parce que toucher de seconde, je ne sais pas s'il y a des éducateurs là, qui le vivent aussi, c'est toucher, j'avance, je donne, toucher, j'avance, je donne, toucher, j'avance, je donne, et puis je vois des dominants traverser le terrain en fait dans une seule forme de jeu, et on en revient quand même nous sur le stade avec Bertrand et Robin qui est ici ce soir, s'il veut intervenir. On est revenu aussi à cette animation de l'éducateur pour arriver à créer des réponses différentes et pas les foutre ligne contre ligne, parce qu'on est tout le temps dans la même forme en fait. Hein. Oh, et ouais. on crée des déséquilibres de position, de nombre, et on arrive à amener des réponses supplémentaires à des gamins plutôt que celles de j'avance, je donne dans l'axe, j'avance, je donne dans l'axe, j'avance, je donne dans l'axe. Et on a des gamins qui traversent le terrain à deux ou trois, puisque dans tous les cas, il n'y a pas d'action ni sur le ballon, ni sur le plaquage, le porteur de balle. Donc, on revient quand même à cette capacité d'animer, de créer, de provoquer quelque chose dans du désordre pour que les jeunes puissent se construire avec des réponses différentes que celles que l'on voit, nous, le samedi, sur les plateaux, par exemple. Il y a Yann Barral qui a levé la main. Oui, je voulais surtout pas couper Pierre, qui connaît... Moi, je trouve que le toucher de seconde peut être une très bonne forme parce que la philosophie, c'est le jeu de mouvement. Après, les dominants, deux secondes pour traverser un terrain, c'est compliqué, en fait. Je me suis mal exprimé. Moi, je vois des enchaînements dans l'axe avec deux ou trois gamins sur les 10, par exemple sur le jeu à 10. C'est-à-dire que tu peux traverser le terrain à 3 en te faisant des passes toutes les deux secondes au même joueur, en permanence.
Donc, il est... en fait, la vie du ballon concerne les deux ou trois dominants de cette forme de jeu que je trouve très intéressante, hein, attention, parce que nous, on s'en sert pas mal. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à amener d'autres réponses au niveau du jaune que d'avancer dans l'axe, de donner le ballon à celui qui est le plus proche et que la vie du ballon traverse le terrain à deux ou trois, parce que moi, c'est ce que je vois régulièrement. Voilà. Par contre, la vie des espaces, par contre, on l'a de moins en moins. On se sert que des deux ou trois joueurs périphériques qui traversent le terrain à deux ou trois ou quatre et les six autres ne touchent pas trop de ballon. Et moi, je pense que la réflexion, elle se rejoint en fait. On a démarré par le rôle de l'éducateur et par rapport à ça, je te rejoins. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est à nous de mettre un frein ou de lancer le jeu. Mais la situation actuelle, elle nous permet quand même de favoriser le jeu de mouvement, quoi. Ah oui, ça, moi, je suis moi-même avec les cadets au stade, j'en fais. On est dans cette dynamique-là. Après, c'est vrai que dès qu'on aura les conditions sanitaires qui le peuvent, forcément, après, ce qu'explique Olivier sur le ceinturé, lâcher, tout ça, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça donne un peu plus de sens à la forme de passe, à la forme de jeu choisi. Je trouve que c'est intéressant. Mais après, le toucher de seconde est très intéressant. Hein. Oui, mais même le stade 3. Pour que ce soit un ensemble de 10 gamins qui participent et pas les deux ou trois autour du ballon. Quoi. Moi, je pense, dans cette discussion, j'irais presque à dire qu'il n'y a pas de mauvais exercice. Ouais. Il y a juste quelquefois de mauvais objectifs, enfin des objectifs qui ne vont pas avec l'exercice. Et puis, il y a des fois des manières de le mener qui ne vont pas du tout. Et donc, le toucher de seconde, comme tu le disais, Yann, s'il est bien mené, dynamique, qu'on demande peut-être des formes de toucher évolutives, parce que moi, j'ai pas, je vous le dis hein, très honnêtement, je n'ai pas le vécu du toucher de seconde. Donc, c'est l'idée que je l'utilise peu, moi, le toucher. J'ai toujours été plus à ceinturer qu'à toucher. Parce que ceinturer, pour moi, derrière, il y a la notion de duel. Parce que dans le ceinturer, il y a s'enrouler, il y a tout ça qui est derrière. Mais je ne dis pas que je suis contre. Par contre, et là, je partage complètement, Yann, si l'éducateur arrive à garder du dynamisme, des principes fondamentaux d'avancée, des remises d'un deuxième ballon avec de la vivacité et sur des déséquilibres qu'ont à exploiter les enfants, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais carrément, et je pense que pour le rugby français, la situation actuelle, on a une chance en fait. Moi je trouve qu'on a une chance, c'est qu'on peut le faire et amener aux écoles de rugby le fait de se... En fait, ça rejoint un peu ce que... Enfin, je ne sais pas, moi je suis très heureux de participer ce soir, mais Pierre, le jeu de mouvement, Pierre Villepreux qui arrive à promulguer ce jeu de mouvement. Et je trouve que franchement, le SAT 3, c'est super intéressant pour nous. Hein. Oui, mais moi non plus, ça ne me gêne pas, ces espèces de d'utilisation de 2 secondes, libérer la balle, etc. Mais je ne fais que remarquer ce que je vois quand je vais sur les terrains avec des gamins et que je vois les entraîneurs faire pratiquer ce jeu-là, c'est qu'on n'implique plus le soutien. Le soutien n'est plus impliqué à la vie du ballon. Et c'est ça qui me gêne, c'est tout. C'est tout ce qui me gêne. À savoir que si on permettait le blocage, le ballon, qu'on dise à l'adversaire « vous n'avez pas le droit de piquer le ballon, mais laissez le ballon libre à ceux qui l'ont », et que le soutien vienne, le récupère et fasse jouer sans avoir recours à l'entraîneur, moi, alors ça m'irait très bien, hein, y a pas de problème. Hein. On continue ? Ouais. À moins qu'il y ait d'autres questions. Hein. Oh non, c'est bon, il n'y en a pas pour l'instant. Donc là, on voulait vous montrer aussi que... Alors, on vous a montré des images des blagues parce que je trouve que ça illustre assez bien le jeu de mouvement. Là, chez les enfants, assez vite, ils sont quand même capables. Moi, je suis souvent étonné par la qualité de leurs réponses par rapport aux propositions et d'espace libre et d'attitude. Parce que là, c'est des gosses qui ont 10 ans. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est 10 à peu près, ça. Hein, ça doit être les 10 ans. Donc, on regarde un peu la situation. Donc, le lancement de jeu, hein, vraiment… un aménagement où ils sont en avance, dans l'avancée, ils ont un espace à exploiter, qu'ils exploitent pas si mal que ça, même si on peut toujours commenter. Ils se rendent compte que c'est plein. Quelquefois, certains ont besoin de rentrer dans l'adversaire pour se rendre compte que c'est plein, et pourquoi pas. Là, il y a
déjà là, il y a quand même une notion d'espace, de soutien chez des gosses qui ont, je vous dis, ils ont 10 ans. Donc c'est pour ça que le rugby, très honnêtement, dans la présentation des exercices, et moi je l'avais remarqué quand Pierre entraînait l'équipe de France, les exercices en soi, j'ai envie de dire, ça peut être les mêmes qu'on ait 10 ans ou 30 ans. Parce que le rugby, c'est le même. Après, effectivement, hein, les potentialités des joueurs ne sont pas les mêmes. Ils vont plus vite, ils ont plus d'outils. Mais par contre, le lancement, il peut très bien être fait avec des seniors. Il peut très bien être résolu par des seniors. Et quelquefois, il est moins bien résolu hein, par des seniors. Et il faut faire attention quelquefois à penser que les exercices, il faut les compliquer parce qu'on est avec des seniors, les simplifier trop par rapport aux tout-petits, le rugby reste le même. Et donc, moi, j'avais été surpris même, hein, je le dis honnêtement, de voir nos exercices quelquefois que nous avait présenté Pierre l'été sur des enfants réalisés à plus haute intensité, avec plus de capacités techniques, plus de capacités physiques par des joueurs de l'équipe de France. Et quelquefois, pas mieux pour certains. Mais bon, on t'est râlé, non. Continuons. Olivier ? Oui. Mathieu, ouais, je réfléchissais à un aménagement du toucher de seconde. Là. Oui. Ça serait peut-être pour les éducateurs de réfléchir à la gestion de l'opposition, donc de la défense, et de proposer éventuellement une double couleur de chasuble, c'est-à-dire que certains chasubles qui sont désignés par une couleur peuvent toucher deux secondes, et d'autres qui sont sur une autre couleur de chasuble peuvent être sur du toucher plaqué, c'est-à-dire que quand le joueur est touché, ben, le toucheur ne peut plus transmettre dans les deux secondes, mais doit ou faire un gras de poule ou passer par le sol avec des attitudes qui simulent un ruck pour faire des transformations de jeu et aller chercher d'autres zones de jeu et d'autres une alternance des formes de jeu. C'est tout à fait une adaptation par rapport à ça. Et le toucher arraché, là aussi, proposé Pierre, moi, je n'y verrais pas d'inconvénient, au contraire. Toucher arraché, dynamique, le soutien, l'utilité, il y a tout derrière toucher arraché. Donc, la place de la technique individuelle, donc dans nos stages, l'opposition, on n'y revient pas, on en a parlé. La place de la technique individuelle, mais le mouvement général, il n'est fait que de technique individuelle. Après, ça n'empêche pas, de temps en temps, d'avoir des exercices à effectif réduit, et puis quelquefois des exercices de passe. C'est juste un problème de dominante. Nous, on est quand même sur une dominante mouvement général. Et pourquoi on est sur cette dominante-là ? Parce que c'est la réalité du rugby. Pierre ? Ceci ne nous empêche pas, dans les échauffements, de faire un travail qui rejoint la technique individuelle, parce qu'on facilite justement les gestes techniques au travers d'oppositions très raisonnées qui permet aux joueurs de trouver la juste mesure entre la bonne décision et la technique adaptée. C'est important dans notre enseignement, c'est que le joueur y vive un maximum d'expérience. Qu'il y ait beaucoup d'interactions entre le rugby, le joueur, l'éducateur, qu'il y ait des essais, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des réussites. Et puis, qu'on soit capable de répondre aussi à leurs questionnements. C'est bien aussi qu'ils nous questionnent sur ce qu'ils ont compris, pas compris. Et on le voit souvent dans leurs actions, mais quelquefois, ça vaut le coup de leur illustrer. Alors moi, je sais que en stage, c'est bien de temps en temps d'avoir un tableau, de leur expliquer. Et puis après, de moins les arrêter sur le jeu. Moi, je crois que malgré tout, il faut les arrêter sur ce qui nous paraît important. Et c'est à nous de faire l'effort de classifier. Il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. Moi, je reste persuadé qu'il y a des choses où il ne faut pas s'y arrêter. Alors des fois, ce n'est pas le moment et des fois, ce n'est pas important. C'est les deux choses, moi, qui m'organisent. Des fois, ce n'est pas important. Un en avant, ce n'est pas important. Et puis, des fois, ce n'est pas le moment. Quand on est dans un thème, eh ben, il ne faut pas arrêter pour aller les sortir du thème de l'entraînement pour leur refaire tout le rugby. Parce qu'autrement, on n'enseigne pas. Si on refait le rugby dans sa totalité à chaque entraînement, on n'enseigne pas. Si on est sur les vies du ballon, eh ben, momentanément, il faut que les vies de l'espace, eh ben, l'éducateur, il est plus focalisé là-dessus. Il ne faut pas refaire, à mon avis, le rugby, et c'est une des erreurs pour moi dans l'éducation, c'est de vouloir refaire tout le rugby à chaque fois. D'une, ça fait des éducateurs qui parlent trop,
et qui arrête et qui et ça fait des joueurs qui n'ont pas assez d'essais, échecs, réussite. Je voudrais revenir sur le rugby dont on parle aujourd'hui de haute intensité. Moi, quand j'ai entraîné le Stade Toulousain dans les années 80-90, on faisait des séances de mouvement général. C'était à haute intensité uniquement pour entretenir une condition physique que l'on ne faisait pas à côté parce qu'on n'avait pas le temps. Et ce travail de préparation physique, on le liait avec le mouvement général. Et on faisait des séquences de 4-5 minutes sans arrêt. Toujours, dès que le mouvement s'arrêtait, on injectait un autre ballon et en avant. Hein. Et ça, c'était, je vous parle des années 80-90. Hein. Ça fonctionnait. Et le Stade Toulousain s'est construit sur ce mouvement général parce qu'on n'avait pas la préparation physique qui correspondait aux besoins de ce mouvement général et du jeu qu'il fallait mettre aussi en compétition. Et ça m'avait très marqué parce que les joueurs, d'une part, y jouaient, donc ils y prenaient du plaisir. Et je n'ai jamais eu de joueurs venant me dire oh, « mais on s'emmerde à l'entraînement, quoi. Jamais, jamais, parce qu'ils avaient l'impression, eux, de réellement participer et d'être les acteurs de leur propre formation. Quand on lit les phrases sous la bulle, hein, vous savez aussi bien lire que moi, hein, vraiment ce qui est important de retenir, c'est que le joueur, on le met en situation de jeu. L'éducateur, il accompagne juste par le questionnement. Pourquoi tu as fait ça? Regarde où tu vas. Mais par le questionnement et pas par l'ordre. Moi, je reviens là-dessus. On n'est pas dans des séances de dressage. On est vraiment là pour leur faire trouver leur réponse. Pierre, tu veux ajouter? Oui, non. Simplement, c'est cette possibilité dans le mouvement général de laisser la liberté au joueur de faire les choix que lui ressent. Je me rappelle, hein, lorsque j'ai entraîné l'équipe de France, le demi de mêlée, c'était Carbonneau. Carbonneau, il ne fallait pas, dans le mouvement, si je lui disais, même, attention, vite, même sens. Après, il me voit, il ne me dit pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est tout juste, il me disait pas, va te faire foutre, hein, tu nous emmerdes à nous guider. C'est pour ça que ce sont les expériences vécues en termes de réussite et d'erreur qui font que le joueur, progressivement, dans ce mouvement général et dans toute sa complexité, dans un rapport de force et d'opposition à haute intensité, qu'il va prendre des vrais repères qui deviendront par la suite, je dirais, presque des automatismes. Oui, qu'ils deviendront des automatismes. De par cet environnement, l'éducateur questionne le joueur à travers le jeu et les comportements attendus. L'éducateur, lui, il est en attente de choses et il est en attente de voir des choses. Et quand ça se passe bien, il a le droit aussi de leur dire. Et ça, c'est très… Alors, je pense que c'est très français. On n'est quand même pas souvent dans le compliment. On n'est pas souvent dans dire « mais c'est ça qu'on veut, c'est très bien ». On est souvent sur du négatif et je me fais moi-même souvent la réflexion en disant « putain, t'es un sacré casse-couille, tu leur dis tout ce qui ne va pas et tu leur dis jamais si ça va ». C'est la même chose dans l'éducation souvent. Eh ben, il faut qu'on change ça parce que c'est motivant d'avoir un entraîneur de temps en temps qui dise « putain, là c'est bien, là bravo, là c'est ce qu'il faut faire ». Et je crois que de faire un petit effort de positivisme, ça fait un peu de bien aux enfants. La conception du jeu, hein, c'est toujours quand même dans un dialogue, et ça vous l'avez compris, hein, sur… utilisateur, opposant, attaque, défense, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est toujours dans ce rapport-là qu'on apprend. Je prends souvent l'image de la natation. On n'apprend plus à nager aux enfants en les mettant sur une chaise et en leur versant de l'eau sur la tête. C'est fini, on les met dans la piscine et on leur apprend à nager. Le joueur de tennis, pour apprendre à nager, pour apprendre à jouer, on le met en confrontation avec une raquette de tennis et des balles. Et ben nous, je pense que pour apprendre à jouer au rugby, laissons les boucliers pour ceux qu'ils sont et mettons des adversaires qui ont des bras, des mains et qui peuvent travailler dans des duels plutôt qu'aller en plafonner des boucliers dont on se sert assez peu dans nos stages.
Alors, s'il y a des fournisseurs de boucliers, je suis désolé. Faites plutôt des ballons au même prix, ça ira aussi bien. Les règles fondamentales et les principes fondamentaux que vous avez à la fin, les règles fondamentales et les principes fondamentaux, c'est hyper important. On est parasité par un vendeur de boucliers. Donc, les règles fondamentales et les principes fondamentaux, hyper importants, la marque, l'en avant, le hors-jeu, les droits et les devoirs, le tenu. Eh bien, tout ça, il faut vite le partager avec les gens qu'on a en formation, de manière à ce que ce qui est super, c'est quand les données théoriques, on les a partagées avec ces joueurs et qu'ils sont aussi intelligents que nous et même que quelquefois, ils nous dépassent. Moi, dans mon expérience, j'ai eu la chance d'être au pôle à Jolimont avec des joueurs exceptionnels. Eh bien, de temps en temps, j'avais prévu des situations et je me disais, mais ça, je n'avais pas prévu parce qu'ils ont dépassé. Vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Oui, Olive. Ouais. Il y a un monsieur qui veut, Michel, qui veut parler, je pense. Michel ? Bon, écoute, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Bon. Donc, il est vendeur de boucliers. On finit sur moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour entraîner, pour animer les situations, mais aussi pour faire des feedbacks par rapport à ce que je pensais. C'est ce document qu'on a construit il y a très longtemps, il me semble, avec Pierre et Georges. Observer. Détecter, il faut qu'on soit capable avec en identifiant la ligne d'avantage. Pour moi, la ligne d'avantage, c'est quelque chose de fondamental. La rapidité de la des libérations de ballon, savoir la rapidité des libérations de ballon, ça permet aussi d'intervenir en disant, mais là, pourquoi les ballons sont lents? Et souvent, on s'apercevra que c'est tout ce qui s'est passé avant qui fait que le ballon est lent. Alors qu'on traite souvent tout ce qu'on va faire après, c'est-à-dire on va nettoyer fort. Oui, mais avant de nettoyer fort, de penser à utiliser plein de mecs dans la vie du ballon, il faudrait savoir pourquoi cet accident il s'est passé là. Et ça, moi, la rapidité de libération du ballon, c'est un super renseignement quand même. Quand on a des ballons rapides, alors j'ai l'impression qu'on parle de momentum souvent pour ça. Eh ben, c'est un peu de la musique, le rugby. Et quand ça va bien, eh ben, c'est de la bonne musique et ça va, et les libérations sont rapides. Aller jouer là où c'est facile, c'est un concept qu'on doit partager avec les enfants parce que c'est le meilleur moyen d'arriver au but, c'est-à-dire à la marque. Et donc, après, on doit toujours être dans des situations pour moi. Pour que ça soit passionnant pour les joueurs, il faut qu'ils puissent changer de statut et qu'ils puissent être le plus souvent possible. Eh ben, avec des ballons de récup, en ayant la possibilité, le ballon tombe, il change de main, de manière à être le plus motivé possible. Faire un exercice quand on sait en permanence qu'on va être défenseur, ça peut arriver, mais si ça dure trop longtemps, y a des gens qui aiment beaucoup défendre, d'autres qui aiment beaucoup attaquer, mais ce qui est sympa au rugby, à mon avis, c'est de pouvoir changer de rôle. J'ai fini sur cette fiche, si vous avez des questions. On peut peut-être faire un échange sur ce que, si vous voulez, sur vos questions. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro et allez-y. Hein. Myriam, elle n'a pas de questions, Myriam. Moi, je sais. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. J'avais une réflexion, parce que souvent vous parlez un peu de ce qu'on appelle maintenant la cellule de pointe, moi, de la vie du ballon, des joueurs proches au ballon. Et je trouve qu'on met pas assez d'attention sur les joueurs qui sont plutôt sur les extrémités. Souvent, on se retrouve. Dans l'analyse, alors chez les plus grands, hein, on va dire chez les cadets, les juniors ou les espoirs, alors parler de se décentrer du ballon, de préparer la suite, parce que c'est aussi une chose qui est super importante à mon avis, c'est-à-dire de dire qu'on analyse la situation, mais on essaie aussi d'avoir un coup d'avance.
Si on lit tous la situation de la même façon, on sera beaucoup plus efficace, on aura un temps d'avance. Par exemple, vous parlez d'aller chercher des couloirs vides, mais si dans ces couloirs vides, les joueurs qui y sont ne sont pas prêts à jouer, on va se retrouver sur des situations où on va un peu délicates, où on n'aura pas la bonne attitude. Et souvent, donc, on met l'accent énormément sur la vie du ballon, sur les porteurs, mais quelque part, j'ai le sentiment qu'on oublie un tout petit peu aussi le rôle important des soutiens plus larges qui vont préparer les mouvements à venir. Et là-dessus, moi, j'essaie de bosser un peu là-dessus parce que je pense que, notamment chez les plus grands, c'est des choses qu'on arrive… moi, je suis au centre de formation du Rugby Club Toulonnais et très, très souvent, l'analyse des joueurs après match, descend trop loin du ballon, regarde en face, prépare la suite, soit utile, parce que les joueurs, ils sont souvent très… centralisés sur le ballon et ils occultent un peu la prise d'infos et l'anticipation. Mais je crois que c'est justement ce qu'on a appelé le principe d'utilité. Vous employez aussi l'adjectif utile. Ouais. Le principe d'utilité, c'est justement, c'est pas se polariser sur la vie du ballon, c'est qui doit se polariser sur la vie du ballon, combien de joueurs doivent se polariser sur la vie du ballon, et ce qui amènera les autres à être bien placés, prêts, un peu plus loin dans les espaces proches, mais aussi dans les espaces lointains. Ce travail de distribution, il se fait par rapport à ce principe d'utilité. Je ne suis pas utile dans l'instant sur le ballon, mais je vais être utile plus tard parce que le jeu risque de rebondir plus loin dans les espaces plus lointains. C'est ça qu'il faut arriver. On ne demande pas, dans nos stages, on ne demande pas aux gamins de tous venir sur le ballon là, pour être utile. Non, non. Il faut les amener à se situer là où ils vont être utiles pour une intervention différée. Après, j'ai répondu à ta question. Hein. Oui, après, votre approche, je la connais. Pour être passé au PUC et en STAPS en Orsay, je pense que voilà, on parle la même langue, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent, on se focalise dans nos approches, souvent on se focalise sur les porteurs proches du ballon. Et c'est vrai que je pense dans l'apprentissage, c'est aussi important des fois d'arrêter le jeu. Tout à l'heure, vous parliez d'arrêter le jeu et de dire, vous, allez, qui êtes loin du ballon, vous êtes aussi très utile ou presque autant utile que parce que votre intervention future elle va être super importante pour la continuité du jeu. C'était là où je voulais intervenir. C'est que souvent, on se focalise. Ouais, les éducateurs qui sont très centralisés sur le ballon aussi et cette vision un peu plus générale, c'est essayer d'ouvrir un peu aussi des fois les formes de jeu. Et c'est là où… Regarde, quand tu vois jouer des gamins, très souvent, même dans les entraînements, ce problème se pose. Pourquoi il se pose? Parce que s'il y a un gamin qui prend un ballon, qui s'échappe, qui passe le premier rideau et qui va marquer, eh bien, il va marquer tout seul et tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Alors moi je m'insurge contre ça dans la mesure où on doit être toujours à la hauteur du ballon, que l'on soit près ou que l'on soit loin. Et ça détermine déjà un positionnement sur le terrain. C'est pour ça que très souvent, dans les exercices que je fais, un gamin qui s'échappe tout seul, je ne lui dis pas d'aller se coucher à terre comme on le voit faire. Va te coucher à terre, les autres vont arriver. Non, non, je le laisse marquer et je le fais contre-attaquer dans l'autre sens. Et je demande aux autres de revenir se replacer derrière lui pour pouvoir l'aider. Ça amène une compréhension justement de la distribution des joueurs, qu'elle soit près de la balle ou très loin de la balle. C'est pour ça que vraiment dans l'enseignement, moi, il me semble prioritaire que chacun sur le terrain soit en capacité d'être relié par son positionnement à la vie du ballon. C'est-à-dire que ça soit par le pied ou par la main, il faut être touchable en permanence. Et la notion de soutien, elle est hyper importante, même quand on est loin. Le soutien, il y a un soutien de proximité, mais malgré tout, et ce que dit Pierre, notamment sur tout ce qui est on va marquer, on change de camp, ça demande qu'il n'y ait pas de relâche mentale. Or, le joueur, pour moi, le plus difficile, c'est que quand il est loin du ballon, il est en relâche complète. Et il se désintéresse même. Et j'ai envie de dire, on dit décentrez-vous de la vie du ballon, mais celui qui est loin, il est plus que décentré de la vie du ballon.
il est sorti de l'action. Et c'est là où tu as totalement raison. C'est pour ça que le mode de fonctionnement à deux permet, à deux éducateurs, permet de solliciter quelques joueurs qu'on pourrait appeler satellites, et notamment chez les petits, hein, de manière à les remettre au jeu. Et ça, ce n'est pas toujours évident quand on est au cœur de l'action, c'est-à-dire avec ce deuxième ballon et proche des vies du ballon. C'est pour ça que le travail à deux, pour moi, il peut être mené comme ça. C'est-à-dire que le tempo, c'est celui qui donne le deuxième ballon. Lui, il est en responsabilité du tempo, des vitesses de libération, des vies du ballon, du déplacement. Et par contre, le deuxième éducateur, lui, tous les joueurs qui se démobilisent quand ils sont loin du ballon, il faut leur retrouver de l'utilité. Et ça, je pense que le travail à deux éducateurs, pour ça, il est super quand on peut se le permettre. Le deuxième éducateur, lui, tous les mecs qui n'ont pas d'utilité loin du ballon, il va falloir qu'il les ressollicite. Olivier, il y a une question de Elio. Pensez-vous qu'il est important de créer un langage commun sur des références communes pour aider les joueurs et les éducateurs à mettre en pratique la méthode du jeu de mouvement? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Partager les données théoriques, c'est créer avec son équipe la vie du ballon, hein, très honnêtement, les gardes, tout ça, tous les termes, eh ben, il faut qu'ils soient compris par les joueurs et qu'ils soient compris par tous. Mais ça va plus loin que les termes. Les courses, elles doivent être comprises par tous. Un mec qui court en travers, tout le monde doit comprendre de la même manière. C'est qu'il ferme un espace. Donc, le langage, je suis totalement d'accord. Les données théoriques, je suis totalement d'accord. Et le langage corporel, je vais plus loin, le langage corporel entre les joueurs, il doit être compris par tous. Un mec qui a les bras libres, eh ben, il faut que tout le monde l'identifie de la même manière dans une équipe. Parce que ça enclenche des attitudes. Donc, je suis totalement d'accord avec le langage commun partagé. Merci, merci. Les bras libres, c'est un très bon mot pour moi. Oui. Grazie. Prego. D'autres questions? Pour l'instant, non. Ma foi. Après, on a le droit de dire stop aussi. Hein, parce que. Jean Vidal, une question. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, bon, bonsoir à tous, bonsoir Olivier, bonsoir Pierre, bonsoir à tous les collègues. C'était une réponse un petit peu à ce qu'a dit Olivier Baudon il y a deux minutes. Moi, c'est vrai, quand j'ai travaillé au pôle, j'utilisais énormément cette notion de famille. Et lorsque la famille vie du ballon était en action pour assurer soit la continuité, soit la conservation, moi, je demandais à la famille des joueurs en avance de faire quatre choses essentielles, et c'est vrai que je les embêtais assez souvent avec ça, en leur disant que pendant que la famille vit du ballon et assure la conservation, la continuité, souvent ferraille, Yacomba, tout ce qu'on veut, vous en avance, vous avez quatre trucs à faire: prendre la largeur complète du terrain, reprendre la profondeur, compter, savoir combien vous êtes vous, combien ils sont en face pour juger du style de jeu qu'il va y avoir derrière, et si possible, déjà un petit peu commencer à sortir des rails directs de votre défenseur. Et ce qui fait que tout le monde était sensibilisé à des choses particulières à faire, aussi bien dans la famille vie du ballon que dans la famille joueur en avance. Et on n'avait plus ces sempiternels joueurs qui sont en train de regarder le ballon, savoir à quel moment il va sortir. Et une fois que j'ai dans les mains, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est souvent trop tard, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai souvent utilisé cette forme de travail. Je les ai souvent embêtés avec ça, mais finalement, ça portait ses fruits. Donc, voilà. C'est simplement pour faire cette précision. C'est créé auprès de tous, et pas seulement ceux qui sont intéressés par le ballon, mais une espèce de vigilance mentale où les mecs vont en permanence s'impliquer et non pas être spectateurs. Ça, tout à fait. C'est déterminant, bien sûr. Après, il y avait un mot qu'on utilise de plus en plus, c'est la notion de connexion. Bon, la connexion par rapport au porteur de balle, ça part... arriver à lire quelle action il va avoir pour déjà commencer moi à anticiper mon jeu par rapport à ce que j'ai lu. Donc, je suis connecté parce que proche de lui, mais également une connexion, on va dire, plus lointaine qui va permettre d'envisager quelle continuité au mouvement il va y avoir en fonction de l'espace dont je dispose, quoi.
Et c'est vrai que cette notion de connexion, quand tu la travailles avec des enfants, avec des tout-petits, elle va passer par du vocal. Et c'est vrai que moi, j'ai connu aussi des éducateurs, non, taisez-vous. Ben non, justement, parlez, au contraire, donnez-vous des informations, quoi. Il faut les inciter à communiquer au plus jeune âge et après faire en sorte que la communication, elle ne soit plus forcément verbale, mais qu'elle soit gestuelle ou par des trajectoires de course, etc., quoi. Il peut savoir ce qu'on appelle le langage non-verbal, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, Olivier, hein, sur ces joueurs loin du ballon, on insiste quand même assez tôt, nous, là-dessus. C'est-à-dire, moi, je le situe là, je dors un peu de l'apprentissage de l'espace entre les 12 et les 15 ans. Parce que quand ce n'est pas fait là, après, le problème, il est que j'ai l'impression que le champ visuel, en vieillissant, se rétrécit. Alors moi, pour avoir eu des jeunes et des vieux, et des très vieux quelquefois, et quelquefois même, je rajoute, des trop vieux, pour faire ouvrir les yeux à des seniors, c'est un temps monstrueux, et certains n'ont même pas la volonté. Alors que les 12-15 ans, qui sont quand même des éponges, une fois que le gosse il a appris ça, c'est fini, il l'a. Et or, nous, la problématique, et c'est là où tu as raison, c'est que cet âge d'or des apprentissages, si on le loupe, après, j'ai l'impression, hein, et ça, on a beaucoup de mal à le rééduquer, mais beaucoup de mal. Et j'ai envie de dire que la méthodologie qu'on utilise, si on ne l'utilise pas avec des jeunes, on a beaucoup de mal à l'inculquer à des vieux. C'est-à-dire que les vieux, après, du mouvement général, ils n'en veulent pas. Et ils vont te dire, putain, du travail en opposition, les vieux. Ils n'en veulent pas. Pour beaucoup de joueurs qui ont été formés dans des choix différents. Parce que moi, je ne pense pas en disant on a raison. Mais en tout cas, on a ses convictions. Moi, je ne dis pas j'ai raison. Je dis j'ai ses convictions. Et malgré tout, eh ben, transformer des gens âgés qui n'ont pas ces convictions-là, c'est très, très compliqué. Parce que pour moi, le mouvement général, c'est aussi une éducation. Après, Olivier, je sais que quand on avait discuté, tu parlais d'expérience, c'est-à-dire que des jeunes qui arrivent en cadet deuxième année, à 16 ans, il faudrait qu'ils aient de l'expérience dans cette méthodologie pour justement comprendre cette utilité en rapport au ballon, aux espaces. C'est vrai que ça demande des constructions dans les apprentissages chez les jeunes, quoi. Il faut vraiment donner de l'expérience aux jeunes, là. Tu as tout à fait raison, Sam. Et moi, je pense aussi que nos générations qui étaient bien plus libres que celles d'aujourd'hui, ils avaient du jeu libre, encore plus la génération d'avant la mienne, mais ils avaient ce jeu libre qui finalement était une éducation au mouvement. Parce que les gosses, hein, tu mets un ballon et des gosses, ils ne font pas mêler les touches. Hein. J'en ai jamais vu. Ouais. J'ai jamais vu des gosses. Et pourtant, j'ai regardé des gosses jouer. J'ai jamais vu des gosses et dire, putain, nous, tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer dans des boucliers et fermer les touches. Je n'ai jamais vu ça. Tu laisses un ballon à des gosses, que ça soit de foot, de basket, de rugby, ils s'organisent un jeu où ils jouent, ils courent, ils prennent des initiatives, personne ne les emmerde. Et donc, quelquefois, il faut se poser des questions. Est-ce que l'entraîneur, il est là pour casser tout à fait la notion de jeu? Eh bien, moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il est là pour donner des repères dans le jeu. Il y a quelques questions, là, alors, s'il y en a pas mal. Pensez-vous qu'il est important… Non, ça, on l'a déjà fait. Est-ce que les principes méthodologiques du jeu de mouvement sont seulement axés pour faire progresser les utilisateurs? Des petits points. Y a-t-il une progression des opposants? Ah, ça c'est une bonne question. Le jeu d'attaque et de défense, hein, ou d'utilisateur opposant. Ce jeu d'attaque, quand on travaille le jeu d'attaque, forcément, en réaction, on travaille également le jeu de défense. Et les principes de que l'on donne pour les attaquants offensifs sont les mêmes que défensivement. Les bons joueurs de rugby en attaque, qu'on dit des super attaquants, sont aussi de très bons défenseurs. Je ne dis pas de très bons plaqueurs, mais de très bons défenseurs. L'un et l'autre est allié entre le travail à faire en attaque et le travail à faire en défense. Et alors après, sur le travail de défense, on peut aussi travailler spécifiquement la défense, c'est possible. Mais l'un et l'autre
il y a un complément d'acquisition qui se met en place quand on est en attaque et quand on est en défense. Enfin, je ne sais pas comment tu le vois, Olivier, mais personnellement, moi, je n'ai jamais eu de problème dans le placement et le déplacement défensif en ayant pourtant, dans ma formation, travaillé seulement en attaque. Ce que dit Pierre, c'est pour ça qu'on parle de dialogue. En réalité, un dialogue, il s'enrichit de l'opposant à l'utilisateur, du défenseur à l'attaquant. Et puis, les familles dont on parle, c'est les mêmes familles défensives. Je suis proche du ballon, je suis loin du ballon. C'est les mêmes conceptions. Et c'est ce dialogue qui va effectivement développer des qualités de compréhension. Parce que quelqu'un qui défend bien, c'est quelqu'un qui comprend bien. Le meilleur défenseur du monde, pour moi, c'est… alors, vous allez dire, il est amoureux de ce type. Alors, je suis amoureux de personne. Conrad Smith, je le sais pour avoir discuté avec certains, il avait un joystick avec certains joueurs dont je tairai le nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Et il leur disait « monte, ferme, pousse ». Et en réalité, le chef, c'était lui. Et quand on le voit offensivement, moi, je comprends assez bien que défensivement, ils comprennent très bien ce qu'il y a à faire pour emmerder les attaquants. Donc, ce que dit Pierre, souvent quand même, les excellents défenseurs, et d'ailleurs les chefs de défense, souvent, c'est d'assez bons attaquants. C'est rarissime que le chef de défense, il n'y comprenne rien à l'attaque. C'est rarissime. Olivier, il y a une question de Patrick. Combien de familles utilisez-vous? Alors, 3 au départ. La construction de la quatrième, pour moi, la réserve axiale, c'est une famille de passage. Autant c'est une cellule de passage, c'est-à-dire je bascule d'une famille à une autre en passant par cette réserve axiale. D'accord ? Donc il y en a 3 fondamentales. La quatrième, plus le niveau va et plus elle existe. Chez les petits, avec des joueurs en avance, en retard, les vies du ballon. Si déjà ils se situent là, chez les petits, super. La quatrième, elle vient pour moi à partir des minimes cadets où ils doivent comprendre que sur les bascules, ils passent dans les vies du ballon, dans la réserve axiale, en s'interrogeant, en se posant des questions. Est-ce que je vais être utile à la vie du ballon? Est-ce que je vais être en première ligne d'attaque, en deuxième ligne d'attaque, avec les joueurs en avance? C'est pareil, on pourrait parler des premières et deuxièmes lignes d'attaque. Le soutien, le surnombre, pardon, et ça pourrait être un autre thème, il est bien sûr latéral, mais pour moi, il y a aussi du surnombre axial. Et donc, le soutien axial est quelque chose de prépondérant et il sort souvent de la réserve axiale. Ça, pour moi, ça vient minime cadet. Il y a une dernière question, là, si tu voulais. Quelles sont les attitudes que vous préconisez sur les phases de blocage? On ne les préconise pas trop, où la défense est organisée avec ses joueurs en avance ou en retard. En fait, quel est le rôle de ces joueurs qui ne sont pas à la vie du ballon sur une phase de jeu arrêté, un ruck qui traîne sur une relance de jeu, une relance de jeu après blocage, quoi, en fait. Alors, les relances de jeu après blocage, pour moi, elles arrivent minime cadet. Il faut que les gosses ils soient armés pour commencer à relancer le jeu. Mais ça se travaille, certes. Après, quant à la vie du ballon, aux attitudes, la première chose de la vie du ballon, c'est la présence pour moi. Si tu es là en avance au rugby, tu n'as pas de problème avec l'adversaire, tu n'as pas de problème avec l'arbitre et tu as des ballons rapides. Si tu commences à arriver en même temps que l'adversaire sur des zones de confrontation, tu peux être emmerdé par l'adversaire et quelquefois, tu peux être emmerdé par l'arbitre. Et quand tu arrives en retard, soit tu as pu le ballon par l'adversaire, soit l'arbitre te le confisque. Et donc, la première notion, c'est la vitesse d'intervention. Il faut être là, il faut essayer d'être là avant l'adversaire. Ben écoute, je pense que c'était la dernière. Voilà. Donc, je voudrais rajouter ce qu'il faut aussi ne pas oublier et travailler, c'est faire comprendre aux gamins que les balles de récupération doivent être jouées immédiatement. Quand on récupère un ballon, ce n'est pas pour le garder et recréer et arrêter une dynamique. On a récupéré un ballon
il faut le jouer immédiatement. Ça veut dire que le premier à récupérer la balle doit devenir un passeur. C'est là où je l'impose, ça. Le premier qui récupère la balle devient un passeur parce qu'il faut profiter de la désorganisation liée à la récupération du ballon pour aller jouer là où c'est facile et évidemment rapidement. Or, trop souvent, le gars qui récupère, il va recréer un ruck ou un maul qui permet à l'attaque qui a perdu le ballon de se repositionner défensivement. Et ce travail doit se mettre en place immédiatement. Ne laisser aux défenseurs la possibilité d'utiliser les ballons. Et quelquefois, on remet en jeu des ballons pour l'attaque alors que la balle a été récupérée. Donc, il faut laisser aussi à la défense la possibilité de se dire « j'ai bien joué parce que j'ai récupéré le ballon ». Olivier, Pierrot ? Ouais, non, c'est bon, je crois qu'on peut conclure. Écoute, oui, on peut conclure, je trouve que c'était très intéressant. On a eu beaucoup de questions, on n'a pas répondu à toutes. Et non, je voudrais terminer en disant qu'on ne fait en tout cas dans les stages que l'on fait, pas de négationnisme par rapport à d'autres façons de concevoir le rugby et de l'enseigner. Mais si on travaille comme ça, c'est parce que on pense que ça a fait ses preuves un peu partout et que ça fonctionne bien, que les résultats ont toujours été intéressants, que ce soit non seulement dans les stages, mais dans les clubs où on a que personnellement j'ai pu côtoyer, et surtout que j'ai toujours été très satisfait du travail fait parce que ça plaisait aux joueurs et que je n'ai pas vu de joueurs qui traînaient les pieds pour venir à l'entraînement. Et ça, si vous voulez avoir des joueurs attrayants en jeu, il faut leur proposer aussi des entraînements attrayants. Ben, merci à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à vous. Merci Olivier. Merci Pierre. Alors, Myrjam, en Hollande, il fait bon, en Hollande ? Myrjam ? Elle est partie. On n'entend pas Myrjam. Ils sont confinés en Hollande. Ja, tot ziens allemaal in de Lubezak. Hoi, hoi. Salut Jean. À bientôt, merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Ciao. COVID. Au revoir. Ciao. Merci Olivier. Ciao. Merci, à très bientôt, j'espère. À bientôt à tous. Passez tous un bon week-end. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao. Au revoir, à bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir. Ciao, ragazzi. Ragazzi. Ciao. Ciao, bisous à tous. Ciao, au revoir. Salut. Great show. Bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir à tous, à bientôt. Ciao. Ciao. J'ai fini, ça y est. Je vais clôturer la réunion alors. Au revoir à tous. Merci. Cheers. Lynn. Sure, good. Sam, how are you? Okay? Oh, good and you. Oh, Olivia. Bonsoir. Ciao. Salut, ferme-le, il n'est pas fermé. Dis ciao, il y a des Italiens qui parlent. C'est sûr, on t'entend encore. Julien, je peux appuyer, je vais couper le son à Christian. Je ne sais pas, mais... Allez, bonne soirée à tous. Ciao Olivier, merci. Merci ciao, à ciao, vous. Ciao. Merci Sam, merci David. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous les gars. À plus. Ciao Steph. Ciao Steph, à bientôt. Bye bye Lynn. Bye bye Sam. Je ne comprends pas rien.
d'avancer. Voilà. On fera. Désolé. Par contre, Olive, il y a une demande de Joe, Win, Penny, Matt, tout ça, pour faire un jour quelque chose en anglais. Bien. Donc, si on peut arriver, bon courage, mais si on peut arriver avec Pierrot, je sais pas, à faire quelque chose en anglais, ils sont demandeurs. Quoi. Voilà. There is one club in England now playing some beautiful rugby. It's Bristol. And it's no surprise that Pat Lam, being an Islander, he has put all these principles into the game. And he used tactical game to begin, and they lost quite a few games. But now he's adding a bit more structure. But they are the best team to watch in England by a mile. Okay. I'll come to Toulouse, Sam, when the lockdown's finished. Yeah, with pleasure, when you want. Okay. Regards to Emil. Yeah, of course. Take care, all. Bye, John. Bye. Bon. Ça va, David? Ouais. Ouais, je t'entends pas. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es sur le terrain, là? Qu'est-ce que tu fous? Non, non, j'ai mis un fond d'écran derrière. Je me dis, putain, il fait encore jour encore, c'est pas vrai. Bon, écoute. Hein. Merci, Olivier, on s'en est bien. Hein. Heureusement que tu as foutu le... On est tous les trois. Mieux, bien zoom, ça. Ouais, on est tous les trois, là. On est... Théoriquement, j'ai supprimé. Non, non, non. Ouais, ouais, c'est bon, on est que tous les trois. Bon. Bon, ça allait. Ça va. Ouais, mais je fais en zoom, c'est bien zoom, là. Mais le problème, c'est que toi, tu as un truc pro, non? Moi, j'ai un truc. Voilà, parce que moi, j'ai pas ça. Il faut prendre un abonnement. Il faut que LPL prenne un abonnement. Ah ouais, parce que comme ça avait été proposé avant. Après, je pense. Je vais voir Julien Barrès demain. Je vais voir Julien Barrès parce qu'il y a quelque chose. Mais je pense que. Je pense que Tim est bien aussi. Ça doit être le même. Hein. Ouais, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Je vais voir Julien Barrès demain parce que je comprends pas. Hein. On s'est sauvé. Hein. Puis c'est bien. 50. 68 en tout. Ah ouais. On a fini à 50, mais on était 68 connectés. Hein. Et il y en a qui sont connectés.